Et bonjour, aujourd'hui c'est Noël et j'ai eu l'iPhone 7. Bon, pas grand chose à la caméra, j'ai l'impression. Pas grave. Donc, j'ouvre la boîte. Donc, voilà les petits papiers. Donc, il y a les autocollants. Il y a les trucs pour, un truc pour enlever la carte SIM. Je le fous là. Voilà. Là, il y a l'iPhone. Pas grand chose. Dedans, il y a le chargeur. Enfin, normal, tout le monde le sait. Ça, et la prise. Voilà, voilà. Donc, l'iPhone. Et voici. J'ai pris un ordre de G 128 Go pour le protéger. J'ai pris le truc un bumper là de Windows Shield. Là j'avais vu des vidéos sur YouTube là. Et d'un protège écran. Et j'ai plus de batterie. Et voilà. Bref. Donc on va enlever le plastoc. Il est quand même très beau. Et donc je vais mettre ma carte SIM là. Attendez. Donc voilà, j'ai mis la carte. On va l'allumer. Il s'allume. Ça change de mon 3GS. J'ai utilisé le 3GS parce que l'iPhone 5 ne marche plus. Et il y a tout qui marche plus. Enfin, la batterie. Le 3G, le 4S, il est bloqué iTunes. Et le 3GS, c'est le seul qui marchait. Voilà. Donc là, je sais pas ce qu'il faut faire au clock. C'est le code 0. Voilà. Ok, bonjour. C'est ce qui me dit hello. Oh, c'est cool. Oublié ça, donc France, oui, ça charge la langue. Voilà, configurer votre iPhone via les données cellulaires. Le fil n'est pas disponible. Choisir un réseau. Donc, je ne connais pas mon code, donc je vais devoir aller voir la Wi-Fi. Et je reviens. Donc voilà, il s'est activé, j'ai mis le code du fil tant que je remonte, il s'est activé, donc je vais activer localisation, configurer touche ID, continuer, donc là on va le faire, je n'avais jamais fait ça. Donc c'est bon, ajuster votre prise, continuer, capture pour votre empreinte. C'est votre doigt plusieurs fois au bout du doigt sur le bouton principal. Voilà, voilà. Vous pouvez pas sentir mais libre. Touchez terminé. Continuez. Créer un code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voulez-vous vraiment utiliser ce code? Utilisez le code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réessayez votre code. Voilà. Fait ça. Comme nouvel iPhone. C'est mon adresse mail. Comme mot de passe. Suivant. Alors,
Une porte envoyée par mail, allez hop. Accepter. Envoyer. Je vais même envoyer des mails. Accepter. Accepter. La conversion prend quelques minutes. Que c'est un vrai aimant à prendre de doigts. Je vais vite prendre un protège-écran arrière. iPhone, il est magnifique. Je vais vite prendre cette couleur. On va prendre un 7, autant prendre un beau, n'est-ce pas? Ah, mais waouh! Là, il y a plein de points à prendre de doigts. Vous voyez? Cerveau suivant, ajouter la carte, non, configurer plus tard, ne pas utiliser tout ce cloud, Siri continuer, hello, dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, c'est moi. Continuer. Je viens de faire Siri. C'est quoi ça? Diagnostic. Améliorer ses produits. Pas envoyé. Du coup, le nouveau bouton principal. Démarrer. J'aime bien ça. On va laisser à 2. C'est quoi zoom de l'écran? Normal agrandi. Normal. Voilà, agrandi. Ouais, bah, normal. Suivant. Bienvenue sur l'iPhone. Démarrer. Et voilà. Et là, j'ai des numéros. Je sais pas qui c'est. Donc je dois prendre le numéro de mon 3GS. Donc c'est très marrant. Donc là c'est le truc, putain ça changeait du 3GS. Genre rien que ça. Je sais pas, je vais ouvrir ça. Regardez. Regardez là, c'est le truc en bas, alors que maintenant c'est déjà le truc comme ça. Putain. C'est que. Et puis il est beau. Allez, je vais mettre de la coque. Et je vous montre. Et les trucs d'ailleurs. À tout de suite. Bon voilà, c'est à peu près une journée que je l'ai. J'ai mis la coque Rhino Shield, les protège écran. Et on voit que c'est un peu de la merde quand même. Mais c'est pour 11 € leur protège écran. Ils sont un peu beaucoup rayés. Rien que les tests dans la poche. Et derrière, pareil. On le voit. C'est pas des traces de doigts tirés, c'est des rayures. Je pense que. Je sais pas si ça fabrique des verres trempés pour l'arrière. Enfin, je regarde. Bon, bref, la coque est nickel en tout cas. Voilà, donc j'ai mis tous mes contacts dedans, tout s'est bien passé, l'empreinte digitale nickel, c'est très rapide, j'avais essayé sur le 5S, ça marchait un peu moins vite, voilà, là il y a une espèce de grosse trace de rayures sur l'écran, du message nickel, pour voir le truc, on va l'envoyer. Tu lui dictes. Gros connard. Alors là, ça marche nickel. Ça, ça marche bien. Siri pour voir. Quel temps fera-t-il demain? Voici les prévisions météo demain. Voilà, donc c'est bien. Puis là, j'habite et tout. Bon, moi, c'est pour aller bien cette météo. Après, je crois que c'est la même que l'iPhone 5. L'iPhone 5. Voilà. Ça change quand même de génération en génération. Lui, il est vachement grand. Voilà, la coque Rhino Shield, apparemment, elle est
extraordinaire. Enfin, elle est pas extraordinaire. Elle protège, elle fait son boulot, quoi. Donc voilà, l'iPhone 7, en gros, on verra par le temps comment il agit. Là, il y a l'objectif qui sort. Là. Moi, le maximum que j'ai pour l'instant, c'est l'iPhone 5. Donc, on verra ce que ça fait. Il y a le flash et tout, il a l'air pas mal. Enfin, je l'ai essayé tout à l'heure parce que ça fait une journée que je l'ai à peu près. Et je l'ai essayé dans mon garage pour trouver un boulon par terre. Et c'est très bien de trouver. C'est sympa le truc que ça fait avec la lumière. Et en plus, il y a 4 LED là. Avant, j'en avais qu'une sur lui. Ah, mais il y a un problème de batterie. L'appareil photo, nickel. Ah, c'est super sympa. La caméra avant, j'ai mal foutu le truc et on voit un peu le. Bon, ça, je m'en fous, je l'utilise jamais. Là, on voit un peu le. Que c'est flou en bas. Genre, voilà. Avec mon icône, là, tranquille. Waouh. Il y a un flash devant. Ah, mais c'est l'écran qui fait flash. C'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant ça. Je savais pas que ça existait. Alors, ce que j'adore moi là sur les nouveaux maintenant, c'est ça. Bon, faut enlever les silencieux. Ça fait une mini vidéo là, enfin. Parce que les iPhones le savent. Il y a un flash devant. Ah, mais c'est de l'écran. Voilà. Je suis un peu l'air con là. Ouais, c'est super sympa ça. C'est bien que ça y soit. Le truelle d'or et tout. De mon grand-père. Voilà, bon bref, pas besoin de tout savoir. Là, il y a un montage vidéo. Bon, je sais pas si c'est que là-dessus, mais c'est pas mal. Le truc en direct, donc voilà, c'est l'iPhone 7. Voilà. Il filme en 4K, il fait ralenti. Enfin bref. Bon téléphone. Enfin, pour 800 balles, il y a intérêt qu'il soit bon le téléphone. Voilà. Allez, à une prochaine, dans n'importe quoi, dans n'importe quelle vidéo, que ce soit du vélo, des conneries, ou peut-être un autre truc de déballage. Et ciao!